réaliser une formation. Alors là, effectivement, Christophe va nous dire tout à l'heure effectivement ce qui se passe au sein de Yop. Yop, est-ce que c'est la voile, le mauvais choix de voile, Thank you.
Bonsoir.
Thank you.
Qui est dans la voie de représenter le pouvoir sur les côtés, à la bureau.
notion de propulsion et une notion d'équilibre. Trois notions fondamentales donc dans en ce qui concerne la voile. On revient à la course, donc toujours troisième tour en tête, suivi de Sarah Énergie Nouvelle, autodistribution, troisième position, UFR Chauffland, et en quatrième position, GFA Caraïbes, Michel, GFA UFR Chauffland qui semble contrôler les choses, qui ne cherche pas véritablement à passer devant, certes, mais qui essaye de préserver sa première place. Oui, effectivement, Manuel, en passant devant la ville, la commune, la ville du François, on sent que le vent, il a forci un peu. Donc les voiles sont un peu fortes, et nous avons autant brûleux, et en plus la mer des bateaux. Donc il faut maintenir l'aïeul à flot, ne pas faire le trou, tenir l'aïeul, parce que encore tout au long, jusqu'à ce qu'on arrive dans la baie du Robert, nous aurons mis la démontée. Et les bonhommes, bon, même si c'est la première étape, eh bien, ils devront pouvoir tenir dans cette mer démontée, parce que nous avons toutes les difficultés du monde pour nous positionner, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de supporters. Et encore une fois, nous rappelons aux supporters que nous essayons vraiment, les premières, de leur faire vivre la régate, mais de laisser les yeux naviguer. Parce que même au large, comme la marée, elle rentre, eh bien, elle donne du mouvement au yacht. Alors effectivement, ça donne du mouvement de la mer en quelque sorte au yacht, ajouté à ce vent qui a forci, donc qui a commenté, comme le dit Michel. Mais surtout, il faut encore saluer donc, les performances de ces coursiers. Ils sont restés 2 ans sans tour de Martinique et Yacht, même s'il y a des compétitions qui se sont déroulées dans les villes. On salue d'ailleurs les villes, notamment Saint-Pierre, puisque on sait que la troisième étape va se dérouler entre Trinité et Saint-Pierre. Il faut remercier donc, les municipalités, mais remercier les coursiers aussi, qui sont restés mobilisés pour qu'on retrouve enfin le 36e tour de cette édition 2022. Merci Manuel. On retourne vers Jean-Baptiste Anatole. Jean-Baptiste Anatole, à quel point se trouve Miltis qui avait entamé sa remontée fantastique? Je ne sais pas si vous l'avez signalé tout à l'heure. J'avoue que j'avais un peu décroché. Eh bien, Miltis est toujours dans sa remontée fantastique. Miltis a 4 yoles derrière elle. Il s'agit de Madiana, de M. Nicolas Besman, mais également de McDonald. Et Miltis est en train de titiller maintenant CFA, UMI Formation. Cette yole ne va pas tarder à faire les frais de la remontée de William Sourin Miltis en tête de course. Juste devant, il y aura Trix. Donc, vous voyez que Miltis est en train d'effectuer sa belle remontée. Elle n'est pas loin de CTDM et de la Palouza. Donc, pas loin du conseiller de tête. Nous sortons également de la baie du François et nous nous dirigeons vers la commune du Robert avec ce temps blanc que nous bénéficions aujourd'hui. Nous ne voyons pas pour l'instant le loup-garou. Il me semble apercevoir dans le loin, mais je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, Miltis, William Sorin est en train de faire une belle course pour l'instant, est en train de remonter vers les côtes de Verniel qui sont en tête et peut-être va préserver sa place à l'issue de cette étape. Toutes les yoles sont toujours les unes derrière les autres et les yoles qui sont en train de dépasser doivent s'écarter vers la droite à tenir, c'est-à-dire se mettre au vent et donc bénéficier de ce vent pour avancer beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et William Sorin Miltis ne saurait tarder à dépasser CFA UMI Formation. Juste devant cette yole, il y a Prix, ensuite la Palouza et CDTM avant de remonter vers les yoles qui sont en compagnie de Manuel et de Michel Blavy. Merci pour toutes ces précisions, Jean-Baptiste Anatole. Donc on précise que la yole William Sorin Miltis, deuxième hier du prologue,
était un peu mal embarqué sur ce départ, mais que désormais elle remonte tout doucement vers la tête de course, mais c'est peut-être même déjà quand même une victoire pour elle en ce qui concerne la victoire ou le podium. Oui, encore que là, ça semble se resserrer à chaque fois, puisque on voyait que bon, il y a les quatre premières lignes de tête, mais quand on donc jusqu'à GF1, ensuite c'était les MP, ça va plus tard, notamment sur le mouvement de poche, et cette tueur-là doit être un peu comme une bien position encore, et en train de se rapprocher, donc pourquoi pas, et la boutique venant en mangeant, une fois qu'on arrive vers les septièmes, pourquoi pas aller titiller les autres, hein, surtout que il y a pas mal de changements à certains moments dans les conditions de vent, etc. Donc faut voir, et en étant à l'arrière pour le moment, sachant que les bateaux suiveurs aiment beaucoup voir la tête de course, peut-être qu'il y a un tout petit peu moins de mer, donc ça peut leur permettre de revenir également un peu, donc à eux d'en profiter pour se replacer après un départ très mitigé ce matin. Merci pour cette lecture, Daniel Landino. On repart sur la course, toujours avec Manuel Larade et Michel Glani. On rappelle, donc en tête, petit groupe de Yol, Rosette, Sarah, UFR. Voilà donc le trio de tête pour l'instant, mais c'est serré, vous le disiez. Et il y a derrière GFA, CTDM et Price, notamment Manuel. Oui, exactement, mais surtout, Denis, vous avez donc les bateaux suiveurs, les embarcations qui veillent au clair, parce qu'il ne faudrait pas que les bateaux viennent augmenter les vagues, justement, qui sont occasionnées par le vent sur les yachts. On a vu cela, hein. Nous, on nous a même demandé de nous écarter par rapport à UFR Champlain, qui arrive en troisième position, mais l'embarcation suiveur, ils sont venus nous dire de nous écarter, c'est normal, de nous écarter pour qu'il n'y ait pas trop de vagues supplémentaire pour la LMF à Champlain, qui est toujours en troisième position. En quatrième position, c'est donc GF Caraïbes. Mais toujours en tête de course. C'est là, on vous le confirme encore une fois. C'est Rosette Orange, suivi à environ 200 mètres de Sarah Énergie Nouvelle. Donc, autodistribution. Ensuite, on va là du LMF à Champlain qui contrôle. LMF à Champlain, c'est que pour l'instant, on n'est pas encore arrivé.